Bon, salut à toutes et à tous. Donc, je vous fais cette petite vidéo d'intro, entre guillemets, pour expliquer un peu ce qui va se passer sur ma chaîne, entre guillemets, ma chaîne YouTube. D'accord? Alors, soyez indulgents, c'est des vidéos et des photos qui sont prises avec un téléphone pour le moment parce que, eh ben, on va dire que tout ce qui est motorisé, donc voiture ou moto, ça coûte plutôt cher. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc déjà, dans un premier temps, oui, il y a la canette de bière, forcément, je sais, je suis pas un exemple. Enfin bref, il y aura d'abord une vidéo d'intro avec les trois machines que j'ai pour le moment. Donc, en comptant le 600 Hornet, il y a le 600 CBR de Stunt, et il y a aussi la Dirt 125, que, de marque Lonsin d'ailleurs, je sais pas si y en a qui connaissent, voilà, que je dois refaire aussi. Donc là, il y aura une petite vidéo qui va regrouper des photos et des prises de vue entre guillemets de chaque machine. Sachant que pour l'instant, l'Hornet qui est démonté, enfin démonté, qui est remonté vite fait à l'arrache et qui démarre une fois sur 15, enfin bref, est posé sur cale. Donc pour l'instant, voilà, ça va pas être la moto en marche entre guillemets. Après, il y aura à chaque fois sur chaque machine ce qui va se passer. C'est que j'ai prévu de faire quelques vidéos par rapport à l'entretien des machines, par rapport à ce que je dois changer dessus, ou ce que j'ai déjà changé dessus, ce que je vais changer dessus aussi, par rapport à toutes les réparations, il y aura des prises en accéléré, il y aura tout ça. C'est vraiment pour juste bah voilà pour partager aussi ma petite passion pour le deux roues. Et aussi, il n'y aura pas non plus que le deux roues, il y aura aussi des réparations et de l'entretien sur mon BM E36 316 qui est dans un état plus que pas correct. Voilà. Donc du coup, je voulais faire quelques vidéos pour comment bah, pour vous présenter tout ça, pour vous présenter chaque machine, vous présenter ce qu'il y a à faire dessus, ce qui a déjà été fait dessus, ce que j'aurais prévu de faire aussi, que ce soit de l'entretien, que ce soit du changement de pièce, parce que je pense que sur l'Hornet, il y a quand même déjà recherche de panne. Sur le CBR, il y aura le changement de plaquette, il y aura, voilà, il y aura des petits trucs, des petites conneries, il y aura de l'entretien, il y aura de la vidange, il y aura des filtres à huile, il y aura des bougies, il y aura tout ça. Et ensuite, il y aura aussi sur le dirt, où là, du coup, il y aura purge de frein, il y aura des plaquettes aussi, il y aura le démontage du moteur pour le changement des jeux moteurs. Et puis, bon, une petite révision tranquille, et peut-être même là, juste avant de la refaire, quelques petits roulages avec, sachant que je viens de remonter les pneus, parce que du coup les pneus étaient morts. Donc du coup, sachant que je viens de remonter les pneus, bon forcément dessus il n'y a pas de frein pour l'instant, donc voilà, ça va être des petits roulages tranquilles. Mais il y aura des vidéos de ce style-là, il y aura aussi des vidéos de stunt. Sachant que du coup, bah, je viens de reprendre, après quelques années, je viens de reprendre directement avec un 600 CBR. Il y a plein de gens qui viendront me voir, qui m'ont dit, ouais, ça fait des années, nanani, nanana, tu reprends gros cube. Ok, sachez que je vous emmerde, voilà, qu'on soit clair. J'ai décidé de reprendre juste le gros cube parce que bah avec l'Hornet on va dire que je me suis déjà pas mal amusé. Mais le seul truc c'est que je voulais vraiment avoir une meule préparée à côté de manière à pouvoir entre guillemets prendre des risques, en étant conscient bien sûr, mais prendre des risques sans forcément tout casser. Donc du coup, il y aura juste derrière, donc après cette intro là, parce que du coup il va falloir forcément que je commence à faire des montages vidéo. Il y aura derrière cette intro-là, il y aura aussi, je pense, des plans en vidéo et quelques photos des différentes machines que j'ai là, d'accord? Et donc du coup, après, ensuite, après plusieurs vidéos, entre guillemets, je posterai plusieurs vidéos. Je pense que j'en posterai peut-être une ou deux par machine, à voir après vraiment l'entretien, si c'est long, si c'est pas long, si avec les plans accélérés ou pas, il y a peut-être moyen de faire plus court ou peut-être moins court, un truc tout du moins qui est pas chiant pour vous à regarder et qui est pas trop long non plus. Donc du coup, comment? Donc du coup, après cette intro-là, voilà, je vous ferai quelques plans de chaque machine en détail. Et puis ensuite viendra après les futures vidéos de chaque machine, que ce soit pendant la réparation ou autre. Voilà. Donc moi du coup, je vais vous laisser, d'accord? Pour ceux qui veulent aussi, je vous ferai voir, il y a sur le dirt par exemple, j'ai un petit sticker de coller dessus que mon pote JP, qui fait partie de mon groupe des Carrément Motards, allez sur la page Facebook, j'essaierai de le noter dans la vidéo, ou en description, vous allez sur la page Facebook des Carrément Motards, d'accord, et vous demandez à JP, Jean-Pascal, vous voyez avec lui,
Il peut vous faire des stickers, il peut vous faire des vestes, il peut faire voilà, il peut faire du flocage, il peut faire voilà. Donc arrangez-vous avec lui, joignez-le en MP, essayez de voir avec lui, et puis voilà, après bah, vous verrez après par rapport au prix, ainsi de suite, d'accord? Ce qui ne doit pas être super excessif non plus, hein. Mais voilà, donc je ferai un peu de pub aussi pour mon groupe de motards, et puis du coup, bah voilà, c'est que vous voulez des stickers personnalisés, pas personnalisés ou quoi que ce soit. Je pense que JP est en capacité de le faire pour vous, il l'a fait sur son 600 GSR. Qui vient malheureusement d'ailleurs de lui arriver quelques pépins avec. Hein. Je pense que voilà, je pense que si vous allez sur le groupe, si vous allez checker le groupe, je pense que vous le verrez vous-même. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai fait ma pub pour mon petit groupe. Hein. Donc je vais vous laisser sur les vidéos du coup qui vont venir juste derrière. Et puis du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Bisous les poulets! Thank you.
avez pu remarquer dans l'intro que je vous ai faite pour présenter les machines visuellement. Oui, comme pour tout le monde, je pense, l'aura compris, les machines sont dans ma maison. Oui, parce que j'ai pas assez d'argent pour avoir une maison avec un garage ou un entrepôt. Donc du coup, elles sont dans mon salon. Et franchement, moi, ça me va très bien. C'est un peu une maison garage, tu vois. Donc du coup, voilà, petite présentation des trois machines en vidéo, en photo. Du coup, je vous expliquerai plus en détail lors des prochaines vidéos exactement ce qui sera fait sur chaque machine. Donc je pense que je me concentrerai directement sur, premièrement, je pense la Dirt, parce que bon, voilà, il reste vraiment pas grand chose à faire. Un bon coup de nettoyage, changement des plaquettes, voilà, vraiment pas grand chose, quoi, voilà. Donc je pense que je me concentrerai d'abord sur la Dirt. Ensuite suivra, j'espère, et il faut vraiment que je m'y mette, le Hornet. Parce que là, le Hornet, pour l'instant, je pense que vous l'avez vu à la vidéo, il est un petit peu démonté. Hein. Et puis du coup, après, juste derrière, je pense que j'attraquerai directement avec l'entretien du CBR, sachant que j'ai déjà changé le pneu arrière et que j'ai déjà une jambe de rechange. Ça a été fait, il restera dessus. Les plaquettes. Le jeu de plaquettes a changé parce que là, ça devient vraiment urgent. Peut-être vidange moteur. Et les bougies, je pense, que je ferai aussi. Donc, là, voilà, c'est vraiment une petite vidéo d'intro. Comme je vous dis, soyez indulgents. C'est une vidéo qui a été faite à la main. Avec un Samsung G6 Plus, tu vois. C'est pas non plus un truc de ouf. Et j'ai pas de stabilisateur, j'ai rien. C'est vraiment les premières vidéos, quoi. J'espère en tout cas que vous aimez tout ce qui est rigolade, blague, tout ce qui peut être aussi déconnade à mort. Hein. Je pense que vous le verrez au fur et à mesure si y en a qui me suivent ou qui me suivent pas. Après, chacun fait comme il veut. Hein. De quoi je parle, voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser tranquille en espérant surtout que ça vous a plu. En ayant un petit pouce bleu, hein, comme diraient tous les youtubeurs, si tu pouvais me laisser un petit pouce bleu. Oui, exactement. Juste histoire de savoir si ça attire l'œil, si les gens veulent me suivre, s'ils veulent avec moi partager aussi cette passion de la mécanique, entre guillemets, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo, elle vous aura plu. Et puis du coup, moi je vous dis dans pas longtemps, je pense, pour des nouvelles vidéos sur la Dirt, je pense, du coup. Je pense que je vais attaquer par celle-là. Et puis du coup, n'hésitez pas à aimer ou à partager, voilà. Phrase type des youtubeurs. N'hésitez pas, non franchement, n'hésitez pas à partager, même à aimer, voilà. C'est vous qui voyez du bouche à oreille, ça peut être cool aussi. Et n'hésitez pas, surtout, je pense que vous avez vu aussi dans la vidéo, je vous ai fait voir deux genres de stickers, donc le Sa gueule plus fort que ta mère et le Carrément Motard, justement, le groupe sur lequel il faut que vous alliez voir absolument. Vous suivez, vous commandez, vous demandez. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous là, parce que je suis administrateur du groupe autant que JP. Je pense qu'on est tous là pour pouvoir répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook des Carrément Motards, que ce soit pour les stickers, que ce soit vraiment pour les fringues. Et puis même au cas où, s'il y en a du côté justement du Mans, qui veulent faire des balades, qui veulent qui veulent faire des petites sessions rasso ou des conneries comme ça, il n'y a aucun souci. Je pense que les gars du groupe sauront vous accueillir. Voilà, sur ce, moi je vous laisse tranquille. À la prochaine, et puis, bonne continuation. À plus !